de notre société. Les causes profondes des problèmes de notre société viennent de notre comportement, de notre attitude, et tout particulièrement du comportement de nos gouvernants. Aujourd'hui, il est un fait que le monde matériel a pris le dessus sur le monde spirituel, surtout pour toutes les parties des gouvernements. Le monde d'aujourd'hui vit dans un travail continu de se lever à l'aube et d'aller au travail, et désespéré pour atteindre les objectifs. Et de cette façon, le monde oublie souvent d'être bienveillant. Beaucoup de gens sont malheureux et mécontents à cause de leur travail. Ils se plaignent de leur patron ou de travail fatigant. Comme les gens sont en crise de temps et de l'argent, ils ne sont pas chaleureux et se sablent ou on est franc. L'usage de tabac est un autre problème important dans le monde. 1 milliard de personnes fument et on prédit que leur nombre augmente régulièrement. La consommation de ce produit a aussi des effets négatifs sur le développement du pays et la santé de la planète. Un autre problème important dans la société actuelle, c'est l'éducation. Le développement des enfants et les professeurs indifférents sur l'avenir de leurs étudiants. Beaucoup d'enfants ne communiquent pas facilement avec les autres, c'est-à-dire il est difficile de leur parler. Ils sont désordonnés et tout de suite, je comprends que la société est en danger. Je crois qu'ils sont indépendants et ne demandent pas aux autres pour les aider. C'est pourquoi vous n'entendrez pas souvent de la rue, pouvez-vous me dire comment je vais arriver à, ou dans un café. Tenez, ça va, gardez tout. Nous devons nous inquiéter de l'état de la société actuelle et on doit faire quelque chose pour éviter la situation d'être en crise. Les femmes accidentées dans le monde, la guerre, le terrorisme, sont aussi des problèmes vivants contre lesquels il faut se battre.